Éléphantola et alors, c'est l'histoire de Mademoiselle X, une maîtresse d'histoire biosphéritérienne. Ça suffit! Elle a reculé sa montre de 1000 ans au lieu d'une heure, et donc du coup elle se retrouve projetée en l'an 2012. Hé, hé! C'est Zoé, en fait, une petite fille de 6 ans et quart, qui va venir un petit peu m'expliquer comment fonctionne le monde en l'an 3012 et qui va un petit peu m'aider à changer les choses. Oh, ça va, hein ? La biosphère, c'est super, protégeons les animaux. La biosphère, c'est super. On va voir des fleurs, des animaux et on va surtout voir des animaux qui viennent de mon époque, des éléphantolas, des crococinelles. Et dans son époque, il y a des animaux très, très, très bizarres. Le crococinelle est un animal assez complexe. Mais non!